Bloqué. Yo. Ça me suit. Qui sont visités et les vœux qui t'a proposé le Canada et tout profiter pour différents plaisirs capables d'aider pour rentrer à l'école là. Et là on a parlé que le ministre a sorti là et ça c'est pas tout ce qui a dépassé et on a parlé là c'est un peu et c'est le premier ministre Gaïkoné qui a sorti avec tout le cabinet là et nous avons le ministre de l'Éducation nationale qui est là. Et voilà, c'est pour ça que c'est du beau droit. Et voilà, nous avons été, l'espace là. Voilà, on a perdu les là. Voilà, et nous sommes contents avec nous, ça nous détient un peu. Voilà, et nous avons pu constater comment ça est, comment on a parlé là, l'espace Canada, Canada, ASEC. Voilà. Voilà, amis internautes, dans le moment où on a parlé là, nous, devant l'école Canadoa, nous connaissons l'école ça, et son l'école Gozouzou, Gozouzoun, nous connaissons Gaïkoné et lui-même, il va le rendre dans l'école ça, dans quelques minutes qu'il est venu là, et bien nous-mêmes, devant là, pour nous garder, pour nous garder comment ça fait devant Canado, et c'est là. Nous y est pour nous suivre comment et espace là lui-même lié. Fondi et n'a suivre nous connaît et plusieurs et l'école et malheureuse si mon pas jeune fiche pour aller proposer et pas dire que si mon qui capable de proposer par rapport avec fiche pas qu'à jeune et ben nous saisis et Gaïkoné pas visiter moun sa yo pour connaître raison qui ça qui cause pas jeune fiche li seulement débarqué c'est dans Canada et l'a débarqué et pour venir garder et
nous pas connaît objectif là raison mais tout simplement la prendre dans l'école ça l'école et gozouzoun ça l'école et grand chirin ça l'école moun qui gagne l'argent ça nous connaît et nek ça aussi avec la bourgeoisie yo prend pas et yo seulement là pour détruire malheureux malheureux seulement mais yo pas là pour aider aucun malheureux malheureuse. C'est tout le monde qui n'a pas joué une fissure pour le composer. Voilà, je suis PM et PM Gary Kony qui est pour rendre dans l'espace là. Dans quelques minutes, je suis là. Et nous faisons camper là pour nous suivre PM. Non? Qui pourra le faire apparition là, dans le moment où on a parlé là. Nous sommes au Collège Canado. Pas appris trop nos citoyens. Pour comment? Ça veut dire. Ça veut dire, on m'a en télé. Voilà, et nous dans l'espace là, et nous sommes entrés au Collège Canado. PM n'a pas privé là, dans l'espace là. On a suivi arrivé PM, nous avons parlé là. Voilà, PM qui a privé et dans le Collège Canado, nous avons parlé là. On dit tout le monde bonjour, tout journaliste de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne. Bonjour et merci. Pour présence nous témoignons l'autre fois encore volonté nous pour accompagner en nous dit carrément élève yo parce que c'est eux qui acteurs dans moment ça puis parents yo parce que parents yo investissent en pile dans l'éducation du monde en Haïti et puis directeur l'école yo parce que concerné enseignants yo avant placer mot pour placer permet pour remercier PM docteur Gary Kony qui hier, à l'issue du conseil de gouvernement, dit ministre, qui sont pensés, nous allons visiter ce radio. Moi-même, moi, comment ça a déroulé. Je dis, père, mais son bon voyage. Donc, nous choisissons le Collège Canado Haïtien, qui sont proximité. Et PM, merci en plus pour vraiment être responsable. Malgré multiples occupations, pour examen à déposer. Très bien. Et on connaît quelques problèmes quelque côté, progressivement, on a essayé de résoudre. Et dans nos paroles, je remercie tout le personnel du ministère de l'Éducation nationale, le directeur départemental de l'Ouest, le directeur et coordonnateur de la direction départementale d'éducation, Will Nord, et puis nous avons le directeur de l'enseignement secondaire, et puis le Canada qui est chez nous, qui permet une nette satisfaction. Par rapport à la difficulté nous connaissons les élèves qui ont été confrontés depuis quelques années, difficultés parents ont gagné parce que grand pile parents qui sont obligés de déplacer ici et là. Par exemple, selon le travail qui s'est fait pour nous, gagner environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, et en dedans 170 000 élèves. Donc nous, le problème, jeune, le fait qu'on élève dans le contexte, Kachita, pour le composer,
Donc, on a dit quand même, malgré tout problème, le pays a une chance pour nous sortir. Et c'est un premier degré de satisfaction. Au deuxième degré de satisfaction, c'est que la société a mobilisé parce qu'on connaît l'examen d'État, notamment le baccalauréat, son gros rendez-vous. Nous tous passons par là. Pernant passons par là. C'est lieu côté l'État dialogue avec jeunesse là. C'est le moment côté l'État dit bon, on va l'évaluer. On va l'évaluer l'apprentissage, côté fait pendant de l'école, et puis on va où il y a un papier qui reconnaît le travail et papier ça la permet tout. Aller plus loin dans la vie, ou sous les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc, ce moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, c'est ce qu'on parle d'examen d'État. Et moment ça, c'est moment pour jeunes. Vous songez, moi, je n'ai pas l'examen. Feeling, ambiance là. Et nous voyons quand même un climat, si on a proposé, il peut poser quelques questions, il dit, ou bien proposer l'examen à la portée. Parce que la direction concernée, l'enseignement secondaire, avec l'autre instance dans le ministère, tu bail des examens qui à la portée, qui ont des degrés de difficulté, qui prennent en compte les problèmes environnementaux, qui prennent en compte les problèmes d'apprentissage, qui prennent en compte toutes les difficultés parentales et autres que vous avez. Et c'est l'occasion pour remercier. Direction enseignement secondaire en particulier pour programme de compensation. Ça permet vraiment de mieux à la hauteur. Et non, pas tout gouvernement, nous remercier et tout professeur qui vraiment te répond présent, qui te permet de nous bailler environ 85 à 90 000 élèves des cours de rattrapage de compensation qui permettent à nouveau aujourd'hui. Alors, on profite de présence permanente, de visite ça. Pour m'annoncer officiellement et la rentrée de l'année académique 2024-2025. Essayons dans la région permanente accompagner le matin. Ma fait nous tout connaître, après toute discussion qui fait au niveau du gouvernement, après toute analyse qui fait au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement nous décider que rentrer. Entrée scolaire, année académique 2024-2025, là, a fait 1er octobre. 1er octobre, c'est calendrier pour tout le monde, si vous l'école. Cependant, entrée administrative, là, faut être tout directeur de l'école, directeur de lycée, école nationale, directeur de l'école privée, dans l'école, vous commencez à recevoir parents, vous commencez à recevoir élèves pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour Timounio, commencer à habituer à l'environnement scolaire, après une année difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, nous avons engagé un centre d'action que nous avons dit tout à l'heure, qui permet de nous mettre Timounio dans l'ambiance scolaire, dans l'ambiance académique. Et avec ça, thème. Nous, Kimbel, c'est restaurer l'autorité de l'école. Année académique, ça a déroulé autour du thème, restaurer l'autorité de l'école. Une façon pour permettre l'école là, redéfinir d'être comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire, l'école là doit être un ciment, un garant. Et c'est garant ça qui permet tout le monde, toute classe sociale, faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut lancer la salle de classe. Là. Mais il faut les taper et tout. Et bien, nous très sensible sur ça, il faut payer la leur. Parce que nous avons une situation qui est là. Il y a des gens qui nomment qui ne pas travaillent. Il y a des gens qui nomment qui ne pas touchés. Il y a des gens qui travaillent qui ne pas nommés. C'est dans l'état des lieux, ça vient là, on vient là. Donc, nous dit que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là c'est lui qui met question. Même si on a pour montrer nous, même si on a bataille, il faut l'école là qui nous a chance pour avancer. Parce que c'est Green Wood qui était pour jeunes, l'école là. Et on dit, monsieur, dame, journaliste qui là, merci pour la compréhension par rapport à ça. Mais on a profité de l'occasion, ça, matin, pour annoncer quelques mesures. Parce que PM l'avait dit.
et ministre, pas simplement dit l'entrée scolaire fait telle date, mais c'est qui mesure qui a accompagné le processus là. Donc on est chef gouvernement qui l'a avec moi, bah, toute munition feuille de route. Et feuille de route là définit priorité gouvernement pour période que la plage. Et moi-même dans le secteur pas moi, éducation, culture, maternité, éducation, feuille de route là, il y a quelques éléments m'extrait là-dedans pour m'annoncer mesures. Une première mesure que m'a annoncé nous, c'est appui le gouvernement pour les parents, l'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 parents dans plusieurs départements qui nous ciblaient, qui recevront environ 15 à 20 000 gouttes. Et ça permet un petit quichoy pour parents à travers un démarche de les cash transfert. Cash transfert, ça, c'est avec compagnie téléphonique d'appel. C'est bon gros bagage, mais ça permet quand même aux parents de 20 000 gouttes. C'est pas gros la fonction. Et ça coûte nous, enveloppe ça, c'est 5 milliards de gouttes. Ils sont bagages qui fait là à très très court terme. Et deuxième mesure que m'a annoncé qu'il a déjà, que moi-même renforcé pendant ville là, c'est distribution manuelle scolaire pour classe première, de la première à la quatrième année fondamentale. Premier cycle là, il y a distribué manuelle scolaire barrio, on a continué le processus là. Ça dès le vent, on a renforcé, on a continué. Troisième mesure d'où, on a distribué kit scolaire, uniforme et banc. Hier, nous avons gagné un atelier de travail avec le directeur général FNEA, l'ISIM, nous avons environ 10 000 bancs. Parce qu'on connaît qu'en pile l'école, notamment dans le département, il y a écrasé, moins écrasé, etc. etc. Donc, il faut nous bailler bon pour dire au Kachita, il y a 10 000. Et, ma porter attention, nous, tout directeur départemental, depuis les privés, on l'aide pour envoyer bailler. L'aide, ça m'a demandé, faire connaître l'état de l'école. C'est-à-dire, est-ce que l'école l'a écrasé? Est-ce que Gimban? Est-ce que le professeur est là? Qui problème ou rien, est-ce que vous avez touché donc, l'état de l'école. Donc, ce qui fait que 10 000 bancs annoncés, il est possible pour le plus, parce que nous avons discussion avec des partenaires qui ont accompagné le gouvernement. N'a pas les tout vers renforcement de l'éducation à travers le pays, cantine scolaire. Bagay ça, c'est vraiment politique. Première discussion PM, la FAVM, c'est sous point ça. Si Timoun ne pas manger, il ne va pas prendre. Si les gens qui pas mangé, ils ne pas apprendre. Dans la pomme, nous ne pouvons pas couvrir le pays en question de manger. Donc, il faut étendre la cantine scolaire là jusqu'à 100%. Que nous dans la ville, que nous dehors. Et, dans le partenaire, nous rencontrons déjà ton pape. Nous demandons forcément les haïtiens, producteurs, paysans, cap vend dans commune côté là pour faire paysan donc qui choisit nous-mêmes pour nous relever production nationale. Nous pensons ça sont bonnes mesures. Donc faut étendre cantine scolaire là jusqu'à 100% que nous dans la ville que dans dehors. Et nos partenaires nous rencontrer déjà ton pape. Nous mandel forcément haïtien producteur paysan cap vendre dans la commune côté là pour faire paysan donc qui choisit nous-mêmes pour nous relever production nationale. Nous pensons que ça sont bonnes mesures. Pas un bon rapport parlé déjà, il était couvert pour l'année dernière près de 484 000 timoun y bay manger, mais il faut aller au-delà de sorte que d'ici 2026-2027 nous avons couvert tout le pays à timoun manger. Moi-même, je suis à l'école, je ne peux pas manger. Nous avons un bruit parce que la famille n'est pas riche. Nous avons qu'à manger. Mais nous ne sommes pas riches. Nous avons un parce que manger à papa à l'heure. Je vais manger quand même. Bon, manger, je suis à la table. Donc, nous avons prendre, nous avons produit, c'est bon. Bon. Mais si nous en plus que parents ont des difficultés, nous avons basculé dans la pauvreté, la misère, et puis si nous n'avons pas à l'école sans manger. Nous même avons réfléchi à quelques monde pour professeurs, qui ont fait le bonheur, nous avons mis des filles, cassaves, bamba, côté professeurs qui nous apprennent, qui ont agi. Est-ce qu'on peut pour permettre le travail de multiplier parce qu'il y a des fois, professeur, qui sont sortis sans manger ou pas. Quoi, ben oui, son devoir, mais c'est professeur qui choisit dans le sous-matrix, qui a bien.
Et ces mesures que nous avons annoncées, il y a une mesure qui est clé pour nous, c'est formation enseignante. Pour nous relever l'école là, il faut former enseignants. Le monde là est parti quitter nous. À travers toutes les régions, nous dégagons l'école. Même si le niveau scolarité a augmenté, mais nous connaissons quand même par rapport à tout développement, révolution cybernétique, développement technologie et autres, il faut faire formation pour enseignants. Et il faut faire formation notamment dans quatre matières, nous rappelons, nous l'avons démonté comme ministre, directeur de l'école, nous décrit à droite à gauche. Il n'y a pas de fait de composer dans la matière, ça, on est obligé de reporter pour l'année prochaine. Donc, on a fait formation en éducation esthétique et artistique, formation en éducation physique et sportive, pour nous gagner pile athlète, jeunes qui bien formés, qui calent partir dans une compétition internationale. Faut faire formation en éducation à la technologie et aux activités productives, et formation en éducation à la citoyenneté. Question ça! C'est question centrale pour nous. Qui citoyen haïtien n'a pas préparé pour demain? Et puis, moi-même, je suis sorti dans l'école nationale. Je suis sorti du lycée. Des professeurs ici à Canada, je suis sorti du lycée. Je suis sorti dans l'école nationale, lycée. Plus maintenant, l'université, dans l'école publique. Je deviens doyen. Je deviens doyen. Il y a une faculté que j'ai un amigo intellectuel créé, docteur Presmas. Je suis doyen de la technologie. Ça veut dire que ça. Il faut réorganiser l'enseignement public là. Directeur lycée, on va mettre des budgets dans le lycée. Nous-mêmes, pendant nous là, il faut refaire l'enseignement public. Il faut monter le niveau. Il faut réorganiser l'école là. Les gens qui sont dans la salle de classe, il faut les qualifier. Il faut suspendre le sacrifice du BIA. Donc, ça c'est des à court terme. Nous avons déjà engagé la direction de l'enseignement secondaire et fondamental pour lancer le chantier ça en août là. Il y a des prévisions budgétaires qui ont fait pour ça. Et puis, nous connaissons un problème de place scolaire. Par exemple, même l'homme de lycée Philippe Guéry était un grand lycée dans le nord pour deux départements nord-nord-est. Il y a des gens du nord-ouest qui sortaient en Safoleur, qui rentrent au Cap à l'étudier. Je veux dire, nous avons 5 lycées dans la ville là. Attendez bien ce que je dis. L'homme de là, il y a 2500 élèves. Lycée Philippe Guéry, il y a 5000 élèves, je veux dire, il y a 5 lycées dans la ville. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire demande éducative, la forme. Tout parent, je veux dire, ouais, ça l'école, on ne peut pas quitter petit de la caille encore, il y a besoin de l'école. Donc, on n'a pas annoncé là, on n'a pas ouvert, on n'a pas 17 écoles publiques que on n'a pas inauguré à travers le pays, dans tout département, pour permettre que nous ayons une place pour l'école. Et 17. Et puis nous avons 111 lycées, écoles nationales, n'a réhabilité. Et puis, il y a un problème qui est important. On a annoncé ça comme mesure qu'une commission déjà travaille sur lui. La régularisation du statut des personnels administratifs et enseignants. Nous avons pléthorique de monde qui parle qui passe à l'Andrew Biden. Et puis nous continuons à mettre des chèques dehors. Donc, nous demandons des régularisations de situation. Ça. Nous connaissons, quand chèque là, qui professeur capté avec Madoube pour nous bailler à ministère finance, pour nous nommer mon ça. Et travail sans cours là, on y a là, mais c'est les mesures que nous annoncer nous pendant nous là, pour profiter de la présence. Nous. Il y a un décret qui sorti. Mais on ne va jamais mettre dans l'application. Moi-même, pendant là, je déjà chita avec Copia que PM dans le décret, il dit. Non, pas même écrit, même dans relève, il dit, ministre, quand on est là, il dit, dans le bureau, il dit, tant pour y recevoir copie à moi. Recevoir monsieur, monsieur Damio, parce que je dis que je ne suis pas mieux, n'a pas mis en place l'Agence nationale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, ANERS, qu'on a été publié dans le moniteur, qui a été publié, n'a pas mis en application. Pour monter le niveau enseignement supérieur, pour compétitif, pour. Nous qu'à circuler en termes de recherche, en termes de compétences, de savoir à travers la carrière. Quelle autre mesure d'annoncer nous, c'est principal mesure qui est liée à rentrée scolaire 2024-2025. Et jour d'après rentrée scolaire, là, des sujets PM, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi presse. Pour choisir une commune, dans l'arrière-pays, pour nous faire rentrée scolaire, mais nous connaissons restaurer l'autorité de l'école. L'école, c'est l'allié. Même si on a bataille, on a boumé, il faut dégager nous pour Timounio parce que les enfants sont l'avenir du monde.
Ma prête là, des autres, pas qu'on est, soit pas qu'on nous pose une question. Et si nous satisfaits de bailleux, comme ça, vous presse. Ah non, si vous presse, pas de question. Après examen, je suis disponible pour nous poser une question. Je garde la visite officielle ça et l'occasion du déroulement d'examen des phases. Mon qui va parler, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc nous, on est allé visiter le centre d'examen ça, collège canado haïtien. Ils veulent partager avec nous niveau de satisfaction, mais aussi et surtout de réussite de déroulement période d'examen. Donc on utilise, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur Augustin Antoine, qui va prendre la parole et qui a fait moins de presse ça. Merci beaucoup.